Salut les gens, c'est Stan, on se retrouve sur Stellaris, c'est la fin de la partie, on attend avec impatience la crise de fin de partie. Salut Féa, salut TK. Bonsoir Slam. Bonsoir tout le monde. La crise, oui, mais je te signale que t'as un de tes vassaux qui a eu, un vassal qui a eu un problème de robot. Ouais, enfin il a trois planètes et deux petites flottes à 10, vous allez pas me dire que ça vous pose des soucis. Juste traverser la galaxie entière pour te sauver les fesses, c'est tout. Ah c'est un vassal, moi je m'en occupe pas. Hein. D'accord. Eh ben on est chaud, replay, c'est parti. C'est parti. Du coup, ah moi je m'en occupe juste parce que c'est la bataille, moi j'aime bien. Ouais. Moi je vais à Velt. Deploying pacification troops. Hostile planet pacified. Voilà, ça c'est fait. Construction complete. Ah par contre j'ai retrouvé ma puissance aussitôt, quasiment. Ah oui d'accord. J'ai le malus du bon, elle fait 1,94 ma flotte d'invasion. Et avec le malus de bon, je suis descendu à 1K, mais ça le fait. Bon, encore 3 trucs à prendre à Gdexus. Deploying pacification troops. Là, ça va être rapide dans cet épisode-là. 58ème, je sais pas si on l'a dit. Je sais plus. Bon, moi, je compte plus. Alors c'est vrai que j'ai commencé à changer un peu les espèces comme tu m'as dit en conditions de vie. Ça n'a pas l'air d'être trop mal. J'avais fait ça en off, de définir les droits. Panne de minéraux. Ah bah les Cafrayens c'est quoi ça? Il en reste encore? Ah bah oui, tu sais. C'est restant ces bestioles là. Ah mais je les ai adoptés. Ah bon t'as réussi? Ouais, j'en ai 50, je les ai transformés sûrement, j'ai dû faire quelque chose. Ouais, t'as oui, t'avais lancé un truc où t'essayais de les lancer avant qu'ils disparaissent. Ouais, ça a marché. Et ça a marché. Bravo. J'ai. C'est complètement fou. Et ils ont plus le truc, du coup. Attends, je vais vérifier. C'est plus des esprits de la conscience rue. Collective avant. Et non, ça a disparu. Ce qui veut dire que les cafouineurs. Sont libres. Tu les as décafouinés. Ah bah, je vais le faire, ouais. Je vais le faire. Bah, renvoie-les chez lui. Créer un modèle. Construction complete. Ça veut dire que ça a cassé le truc. On enlève le côté répugnant. Construction complete. Alors là, on a. Bah, il y avait une grande flotte, mais en fait, elle s'est fait un peu recte. Exploser, ouais. J'ai pas compris à quel point ils se sont fait exploser. En fait, ils ont perdu la moitié de la flotte pratiquement dès le début. C'est comme ça. Appliquer le modèle. Pas poser de questions dans ces cas-là. Voilà, sur les 415 que j'ai attrapés, on enquête 21 mois, 24 mois. Écoute, si ça marche, c'est une bonne nouvelle, ça. Sarpocus, ok. Gdexus, on y est presque. Donc, Tomari, t'es pas rendu là, tu dois regarder l'épisode 38 pour l'instant. J'écoute tes conseils, hein. Je clique bien sur les noms des habitats et tout pour envahir. Bon, côté flotte, on en est où là-haut? Vache, je suis en train d'aggro toutes ces flottes sur mes pauvres petites flottes de rien du tout. Ça va être rude. Hop. Deploying pacification troops. Je crois que la suite de toutes ces flottes sont mes flottes à une grande bataille épique que vous avez tous loupé, malheureusement. Ah mince, c'était où? À Yanzud. J'ai vu que t'es en train de farcir complètement, oui. Ouais. Là, c'est la purge des synthoïdes multiplex. Oh, bah, il était pas prévu pour durer très longtemps, hein, lui. Non, mais c'est au moins le titre d'un épisode. Oh, l'épisode sera long, il pourrait se passer autre chose pendant l'épisode. Si on bouffe des chiens, oui. Bien, je peux faire les anneaux mondes, ça me sert à rien, mais je peux faire les anneaux mondes. Ah, je suis en répétitif. Construction complete. Du coup, le répétitif le moins cher. Ou qui il faudra qu'un jour je fasse un anneau monde pour voir si c'est génial ou pas. Je peux t'en donner un si tu veux.
Non, j'essaierai en partie solo ou les soirées pas là. Tu veux pas me donner Gotra? T'es toujours avec Gotra, toi? C'est non, mais si tu me donnes Gotra, je vais y construire un anneau monde puis je te la rends après. Et c'est où Gotra? Je ne sais même pas. C'est collé à moi ou tu peux me donner Sheratan? Ah oui, Gotra, oui, mais ça coupe ma route commerciale complètement. Bah, Sheratan ou Asselet. Asselet, tiens, tu pourras Asselet. Ouais. Asselet, je vérifie. Ouais. Ou Sheratan, comme t'as envie. Sheratan, c'est une station de quoi? C'est une station de commerce. Une station de défense. Défense, non. Oui. Tu peux me la passer si tu veux, je te fais un anneau-monde dessus. Comme ça, elle devient imprenable quand il y a une planète. Ah bah écoute, pourquoi pas, quand on sera en paix, Sheratan, je te la passe. On va voir si ça marche pas. Parce que je vois qu'il y a des nœuds de commerce. En fait, les trous de verre, ça aide au commerce aussi. Et non, ça passe pas par Sheratan, tout repasse par Fact. Ok. En fait, je te lance la construction. Ouais. Et je crois que j'aurai le pouvoir. Bah, j'ai pas la méga ingénierie. T'as pas la méga ingénierie du tout. Ah non, je peux pas. Ah ouais, donc ça marchera. Non, je pourrais rien. Si, bien sûr, tu pourras le coloniser. Mais par contre, du coup, il va falloir que le finisse avant de te le passer. Ouais, ça peut être fun. Si on a le temps de le finir pour le let's play, ça serait assez rigolo. Ça sera coûteux, mais il n'y a pas de souci, a priori. Bon, plus qu'une station à Genesius et ça tombe. Et j'envoie à Scud. Je te suis. Et le malus est sauté. C'est bon, donc il n'y a plus de malus. Je prends Estamur, Azax. Et je vais à Aliot ou pas? Aliot, c'est costaud? Aliot, ah non. Moi, je suis en train d'attaquer de façon à Amaterasu. Enfin, la capitale était bien protégée. Mes troupes vont fuir. Intéressant ça. Ouais, les guerriers psioniques semblent. Ils ont du mal quand même. Oh là là, tous les renforts, faut qu'ils se soudent là, c'est le bordel chez moi. Ce que je disais, ouais, bah je vais prendre toutes les étoiles au-dessus, jusqu'à Aliot. Et je redescends où? Du coup, Nadak, Nordak. J'envoie Aliot déjà. Ouais, vas-y, on voit un peu n'importe où. Et puis, par contre, il va falloir libérer, j'envoie une flotte à Velt en arrière, parce que t'as besoin un peu. Ouais. Ouais, prends, occupe-toi de Velt. Est-ce qu'elle a le temps de réparer? Oh, pas besoin de réparer, on y va. On n'a pas besoin, ils sont belles. Et j'en ai une autre. Bah, du coup, Gédexus s'est libéré. Et j'ai pas réussi à prendre à battre dessus, donc peut-être avec tes armées, tu pourrais y aller. Où ça? Elle était pas assez forte, la capitale, à battre dessus. Ah bah, j'envoie. J'envoie. Tu sais, c'était des armées que j'avais chopées. J'ai combien, là? J'ai 790, j'ai plus ça. Ouais, j'envoie déjà un truc. Et j'en ai une autre de 2K derrière, j'envoie sur la deuxième aussi. Je m'occupe de la maquette. Normalement, je bombarde un peu, donc. Ah, ok. Je vais pouvoir gaspiller un petit peu d'alliage. Il a énormément de troupes, putain. Si, ça va être terrible. Ok, et on va tout nettoyer, hein. Et là, j'ai mon 2K qui est dans le coin. Il y a quoi? Il y a que deux. Alors que je repasse des... Allez, ça va se libérer, t'inquiète. Même pour le cafouineur, tu sais, si on veut le finir. J'ai eu trop de pertes. Oh, je lance même pas la puissance du canne, même pas de booster, rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette station, hein? Elle fait quoi, elle? Pas de station ici, là. Oh, il se passe quelque chose. Ça Tessonia, log updated. C'est une flotte de 14K. Je descends peut-être à Tessonia, le choper. Si tu peux, si t'arrives. Mais non, j'en ai une qui arrive. Ah ouais, bon, t'as okay. La tienne aussi. Bon, vas-y, on voit la tienne. Normalement, la mienne fait le... Il va, en fait. Oui. J'avais mis un truc pacification troops. Par contre, il est parti. Black Hole, il est parti. Il va reprendre le trou noir, là. Je vois plus. Abominator est où? Là. Lapinator. Ouais. Il va à Scud, Lapinator. Bourridator, il nettoie du côté de Gédexus. Et Exterminator, il arrive comme il peut.
Il va à Vett. Ok, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il dit, Sphere de Dyson. Ah, il fait demi-tour. Il va chez qui, là, du coup? Écoute... Ah, tu vas le choper. Ah, parfait. Tu vas le choper, du coup, est-ce que t'as besoin de moi? Normalement, non. Ah oui, 14, ouais, ouais. Ah, ils sont beaux, les tacos. Nous, on a les Eddy, eux, ils ne l'ont pas. Ah, ils m'ont envoyé... Ah, en effet, ils piquent bien, quand même, hein. Est-ce que les armées défensives, tu sais, ça... Des bonus? Ah oui, 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 oui. Jusqu'en quand, ça? En 2500. Lamentable insulte. Okay. C'est génial. Est-ce que quelqu'un a des minéraux en trop? Avec traitement de mésalliage. Oui. Construction complete. Je vais manquer de fric. Est-ce que c'est utile que je te fasse cadeau de ça? Je vais t'en offrir 10K. Merci. Je me garde le reste pour le fric parce que je pense que je vais avoir besoin. C'est pour éviter de vendre mes alliages, hein, c'est tout. Ouais, y'a pas de soucis. Merci. Si j'en vends. C'est parti. La sphère de Dyson. Go. Ah bah écoute, je vais bientôt vendre 10K de minéraux. Comme ça va faire presque 10K de crédit. Si vous vendez pas de minéraux, ça m'arrange. À la fin du mois. 25. 27. Allez, allez. Que j'achète du pognon. Ah. Je peux pas lancer ma sphère de Dyson tout de suite. Il faut d'abord que j'attende que mes autres mégastructures avancent. Amateketsu est tombé. J'ai. J'envoie mes flottes vers Boevoei. Et Velt, ça arrive. Ah bah c'est bon. Moi je vais à Velt. D'accord. Ça va vachement mieux. Moi je vais prendre les trucs qui sont derrière. Non, c'est plein en plus. Puis alors. Ah, je suis de boulot, hein. On me demande, j'y vais. Hein. Oui, parfait. La conquête, ça nous gagne. Qu'est-ce qui lui reste? 8K. Ouais, c'est fini. Ferrari. Je descends sur Tenaka, peut-être. Purger un peu ce qu'il y a là-bas. C'est bon, j'ai réussi à dépasser les 57 stations. Donc j'ai... Oui. Lamenta vous insulte aussi ou il n'y a que moi qui l'aime pas? Non, non. Attends. Non, ouais, moi, elle m'insulte pas, elle a trop peur. Ah, il avait quand même attaqué ton vassal, Féa. Non, c'est parce que j'ai avancé sur ses terres, donc j'ai pu, mais après, on n'a pas avancé, donc... Ah, t'es en train de voler, de spoiler mon vassal, hein. En même temps, pour ce qu'il me paye, tu peux y aller, hein. Oh, le titan, il t'allume. Oui. J'avoue que, vu son utilité... Bah, ça leur permet de contrôler les planètes, mais enfin, s'ils les contrôlent aussi bien que ça, les planètes, ça devient pénible, hein. Alors, je me dis, en plus, on n'a même pas mis de mode, c'est pour les hauts faits, mais si on met des modes, ça va laguer encore plus, quoi. Je sens qu'on va... On va juste dépeupler les planètes, en fait. Les laisser à l'abandon. prendre les territoires, mais de décoloniser. Ok... Ah, t'as de la chance, j'ai pas de scientifique dans le coin. Il y a des technos à refaire, hein, chez eux. Ah si, j'en ai un qui est là-bas. Elle a quoi de fond, la 600 étoiles, là, dans une map comme ça? Oui, c'est 600, ouais. Donc je en fait, au total, ça fait que 1200 de expansion. Oui, oui, bah, il y en a qui doit se sacrifier. Hein. qui pourra plus faire de techno et qui va être ruiné. Alors, ici, 122, extension node. Ok, j'envoie une troupe d'invasion sur Tenaka. Oh. C'est pas tout de suite par contre. Hein. Voilà qui serait bien de booster un petit peu ceci. Quoi? Quelle est la blague ici? Ah, c'est un. Je suis coincé. Ah oui, il faut les envahir. Ou détruire les plaies, les dévaster à 50%. Construction complete. J'ai les troupes qui sont là. On va en profiter. J'ai une troupe, ok. J'avais pas une deuxième? Ah oui, mais de là, et les autres sont où? Attends, il me manque des troupes d'invasion, là. Il n'y a pas moyen de faire moins. Ah, il est resté là, lui, non mais... Il faudrait plus de fabricateurs. Voilà.
Construction complete. Ah, c'est ça. Durkheim, j'envoie des flottes sur la planète Durkheim du système Beowei. Au moins que tu le fasses. C'est où ça? Ou pas où c'est? Beowei, à côté de Tamatekitsu. Je vais voir combien ils sont. Ils sont beaucoup. J'envoie des troupes, hein. J'ai du 2K qui y va. Ouais, bah vas-y alors. Bon, mes troupes, j'ai que 4K, enfin 400. Ouais, là, il reste plus que de l'invasion et j'ai des troupes qui arriveront du coup là dans notre poche à gauche. Teneka dans. À moins que construction complete. Ah, je peux sauter. Ouais, je vais sauter à Cory. Donc, toi, occupe-toi des invasions. Ouais, mais je vais le faire. Deploying pacification troops. Hostile planet pacified. En train de m'occuper de l'autre côté. Et l'invasion se passe. C'était rude. Bon. On va laisser cette planète en friche. On va voir ce qu'elle devient. Ah oui, non, il veut pas. Oh, c'est bon. Ça, c'est agitation. Agitation. Sur un habitat, non mais ça va, oui. Non mais oh. Il n'y a aucun problème. 21% de bonheur. Non mais. Faut se calmer des fois. Deploying pacification troops. Ah mais il y aurait la maison de la loi, ça va leur donner une leçon. Bon, ça je vais le laisser. Invasion court. Ça. C'est fini. Oh, c'est quoi ce monde là? 135 pop, bon courage. Bon, j'en ai plein, des comme ça. C'est pénible les bombes à 135 pop. Bah, tous mes montres de techno déjà sont quasiment à 200. Et j'ai pas été regarder Ferragon. Ok, je m'occupe de Litarius et Eji Ravis. Voilà. Ferragon 220. C'est pas mal quand même. J'ai quoi comme problème? Stop. J'ai un problème. Stop. Problème. Je permets de l'alliage. Je n'ai plus de biens de consommation. Je peux t'en envoyer. Je suis revenu positif. Je veux bien, parce que je suis rouge partout en fait. Est-ce qu'il te faut quoi d'autre? Si tu peux. Si tu peux. Nourriture et crédit, j'y crois pas. Crédit, non, je peux pas. Crédit, je peux t'aider pour le crédit. Je perds un cas à nouveau. Pourquoi c'est complètement dingue ces variations. C'est à cause des ventes et des achats, peut-être, au niveau du marché? Non, je fais pas ça, du tout. Du tout. Après, si t'es en négatif en mode consommation, ça casse certains bâtiments qui peuvent te créer des... Ouais, si tu tombes négatif en bien de consommation, ou en minéraux, ou en je sais pas quoi, tu peux plus produire, du coup, tu peux plus faire le truc qui, du coup, entraîne une baisse de production ailleurs, etc. Ah ouais, c'est vrai. Donc, et c'est moins... la cata. Relaying transmission. 19K de crédit. T'as besoin d'alliage? Je vais dire parce que je perdais. J'attends de voir comment relaying ça se passe. Transmission. Je t'envoie quelque chose. Merci. Voilà. Faut que j'attende la fin du mois, je suppose. Pour l'instant, je peux pas dire. Le plus critique après, c'est toujours la consommation. Je tiens 10 mois là. Donc, il faut cette paix. Il faut que je me débarrasse de ce que j'ai attrapé. Vite! Je sais pas ce qui s'est passé après t'avoir envoyé, je suis retombé à moins 400 crédits par mois alors que j'étais en positif. T'as une pénurie quelque part alors? Peut-être, ouais, j'ai pas dû pouvoir acheter ce qu'il fallait ou... Tu m'as envoyé des tas et des tas d'alliages? Oui, 15 000. Ah ouais... Hostile merci. Planet pacified. Voilà, c'est fait, boy. Ouais. Alors, en haut, on en est où? C'est mieux. Ouais, c'est bon, mieux. Je suis remonté. Je suis à plus 500 de crédits, ça y est. 500 de crédits, 300 de bouffe, 300 de biens de conso, et 1200 seulement d'alliage, parce que je manque de minéraux maintenant. Ça, on le savait, qu'il fallait travailler sur les minéraux. Mais d'abord, on travaille sur cette planète. Cette planète où on va mettre une simple ferme, je pense. Les cafouineurs modifiés dans 8 mois. On va mettre la bourse quand même. Ça rapporte tellement ce bâtiment. La Maëlle, j'ai que 5 sur 7. Ah bah ouais, j'étais pas prêt. Vous avez bien fait des bourses partout. C'est juste énorme. Hein. À lui tout seul, ce bâtiment, il rapporte une fortune. L'amélioration du complexe commercial?
Non, la bourse galactique. Oui, oui. Pas, on la a bourse pas galactique, ça. C'est bien ça. On l'a, ça oui, oui, on l'a. Alors, je sais pas si je l'ai pas mis partout. Mais c'est juste énorme, hein, ce qu'il fait. Hein. Il augmente la valeur commerciale de 20%. Il te fait deux emplois de marchand, donc voilà quoi. Je vais regarder après. Ouais. Oui, c'est comme une histoire de la production, c'est vrai. On doit forcément la voir. Sauf que c'est sur le fric, donc du coup... Allez, j'envoie des flottes sur Sigma Draconis. Très bien. Oh, c'est quoi cette petite planète? Ah, rigolo, il avait des puits, lui. Une bourse, de l'énergie, pourquoi pas. Manque de travail. Fais Empire déchu, tu veux le gros méchant ou tu veux le scientifique ensuite? Le pacifique, je pensais le laisser parce qu'il m'a jamais rien fait, il est gentil, il nous a toujours laissé passer. Je voulais attaquer le méchant. Alors le méchant, on l'attaque à partir d'où? Parce que t'as une station qui est faite à la singularité, oui. Est-ce que ces stations, elles piquent à combien? Je sais pas, mais on va lui rouler dessus. 60K à la station. On verra bien. Ok. Ouais. Le temps de réparer tout bien comme il faut. Ça, faut juste... Avec un peu de chance, j'aurai les nouveaux missiles qui vont partir. Il y avait un truc que je voulais changer au niveau de mes flottes. Attends. Construction des flottes. Non, c'est pas ça. Concepteur. Tu crois que je pourrais refit chez toi? Si on donne ce qu'il faut en alliage. Oui, non, ça va être chiant. Si tu. Bah, pourquoi pas. Je suis bon en alliage là, hein. J'en ai plus besoin. Hein. Parce que j'ai mes. Ah bah oui, Aslan, c'est vrai. On peut aller à. Kakkonen. Kakkonen. J'ai déjà une flotte inutile, je l'envoie à Kakkonen. Ouais, parce que j'ai pas de batterie cinétique. Là, j'ai les lanceurs à neutrons. On peut faire quoi? On peut faire un ancrage là. D'abord, par contre, l'event final, je sais pas comment on va survivre. Un gros problème d'atout. Non, mais ça devrait aller sans problème, l'event final, faut pas t'inquiéter. J'aimerais bien aller un atout de plus. Je faisais quoi? Je suis dans domination, il me manque encore deux pour avoir un atout de plus. Oh là 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 là. C'est la mouise. Construction complete. Bon, au final, je perds 555 d'énergie, mais j'ai 22K, merci. Et je perds 162 de biens de consommation, donc c'est pas trop méchant. Mais quel pauvre celui-ci. Il nous aura fait le coup du pauvre pendant tout le let's play. C'est effrayant, ouais. J'ai eu des remarques comme ça, on m'a dit « t'arrêtes pas de pleurer et tout ». Je dis « oui, mais c'est pour Slan ». Pourquoi ils sont 105 ici, ces idiots? Alors, comment ça se passe? Il y a un oui. Allez, on du monde à envahir, dis donc. C'est la folie, Sigma Draconis, à envahir. Oui, mais faut bombarder, hein. Deploying pacification troops. Non, j'envoie les troupes, hein. J'envoie du 2K. Oh, une planète à l'ancienne. Ouais, 4K d'armée j'envoie là, à Sigma. Et extension mode, j'ai vu que tu faisais aussi. Ouais, bah écoute, je commence par Broodcell, posé. Y'a combien? Y'a pas d'armée. Hostile planet pacified. Special project complete. Égale plus de bien consommation, égale le mois d'après la panique. Minéraux, quelqu'un en a? Ouais. J'ai que 2K. Non, bah m'envoie pas. Ok, c'est parti. Du coup, on est bon là-haut. Je t'envoie 10K. Les flottes ouais. Libérées. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Guerre. À qui? Ah, nous. Bah ça tombe bien, j'étais en train de monter les ah, flottes. Merde. On n'a pas le temps de refit, je remonte où du coup moi? Soleil. C'est l'Empire déchu! T'es sérieux? À Soleil? C'est l'Empire déchu! Pause. Attends, il est où Soleil? C'est la déception! Tetel, si tu préfères. Tetel, plus haut, Tetel. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait faire une revendication que je puisse cliquer sur le casus belli conquête et non pas humiliation? Parce oui. Que sinon, vous allez faire la gueule. Attends, une revendication chez eux? C'est oui, ça serait bien, ouais. Ouais. Et je rappelle juste une. Je rappelle que eh ben, tu une pour faire le casus belli, mais après il faudra revendiquer tous ces systèmes pendant la guerre. Eh ben je revendique mais non, Zora. Attends, stop. Je peux tout faire d'un coup. Calme. Ah bah si tu. Voilà. Voilà, c'est bon.
De toute façon, il en faut juste un pour formuler le but de guerre. Bon, alors attends, Tethel, parce que je vois où est Rabinok. Ouais. La singularité, c'est attends, 3. Attends, ne fais pas tout. Il dit que c'est pas bon. Quoi? C'est à moi d'avoir le casus belli ou quoi? Défenseur, c'est que... Non, mais c'est moi qui lance, c'est moi de lancer en fait, apparemment. Pourquoi je vois plus le soleil? Vas-y, lance-le alors, le casus belli. Voilà, j'ai pu le lancer. Ok, super. Je devine où ça doit être et je vois pas le soleil. Tu vois pas le soleil? Alpha Centauri, la zone, la frontière entre l'Orphan d'élite et moi. Du côté. C'est si bas que ça. Où sont tu prends Tethel ou autre? Vu, soleil. T'as des stations de. T'as des chantiers, t'as ce qu'il faut? Oui, il y a du soleil, il y a du chantier. C'est pour ça que j'ai envoyé ça là-bas. Par j'ai contre, va plutôt à Tethel, parce que moi je vais au soleil, donc peut-être on aura des problèmes de chantier. Tethel, ok. Le souci, c'est qu'il risque de passer par les trous de verre. Slan. Ah oui, ça va être horrible. Hein. moi je fonce chez moi. Voilà. J'en envoie une. Ah oui, t'as envoyé l'autre, ok. Attends, je vais peut-être refaire une flotte à un endroit. Non, mais c'est pas possible, j'aurais pas la paix pour être tranquille, moi. Jamais tu seras tranquille. Je vais refaire une flotte. T'es là. Garde la pause à Miss, s'il te plaît. Ouais, ça on joue pas à ça. J'envoie mes troupes d'invasion là-bas, du coup. Ça bouge. Et j'ai quand même un 4 disponible pour tout à l'heure. J'envoie à Tethel. Vu! Mon model c'est quoi? C'est 20, 7. On va tous mourir, on est fichus. Mais non, 126, 145, 110. Si j'ai tout réuni, je suis à. On 68. Va crever. J'arrive à du 140k. On va tous crever. Il faut arriver à démettre, mais pas attaquer ses stations. Il faut le sortir de chez lui, quoi. Ça y est, on est mort. Moi, je trouve ça génial. En plus, il est cuit comme pas possible. Tekamon, là, c'est une ruine de son empire. Par contre, c'est la Grèce. Tekamon, il joue la Grèce. Voilà, je me note un super titre, peut-être. Ça va être compliqué tout ça. Ah, t'avais déjà choisi ton titre en début de partie et d'épisode, ouais. Et je te dis, il peut se passer les choses. C'est vrai. On a encore un peu de temps, on a encore un petit quart d'heure, je pense. Là. Oui, un gros même. Ah, c'est bien. On va voir quelle claque, quel fessé fait, elle va se prendre. Bon, bah, chantier de Tethel, hop. Combien ça va me coûter d'alliage, ça? 30 000 tout, ça va te coûter tout. Est-ce que t'as un peu d'alliage à me filer Non. J'ai peur qu'ils me disent ça, tu veux... Moi, j'ai 16k d'alliage. J'aimerais bien. Si on refit en plus tout ça et on. Ah bah je te file 10k. Ah oui, carrément, oui. Bah oui, si tu refites chez moi. En gros, tu lui donnes pas l'alliage, hein. Tu pars le consommer chez lui. C'est ça. Oui, mais il va lancer sa passion promis son refit, il n'y aura plus rien en 2 secondes. Oui, mais la Slan qui va donner aussi. Vas-y. Bah, Slan, non, moi je ne donne plus là, vous débrouillez, c'est bon. J'ai déjà assez donné quand même dans la partie. Ah bah. Tu sens comment faire pour. C'est ton rôle, tu l'as dit tout à l'heure. Je te prends au mot. On reste sur la pause pour l'instant. T'as besoin encore. Je ne sais pas. Il reste plus rien. Oui, j'envoie des troupes sur Sigma Draconis quand même, mais 4K ou j'envoie que 2K. Je regarde vite fait ce qu'il y a à envahir, comment c'est. Il n'y a pas d'armée. J'envoie que 2K du coup et j'envoie 3K de troupes en préparation. Ok. Du coup, Tethel. Je suis encore perdu. Ouais, je pourrais peut-être sauter là. Pas sauter là. Traxoco, Tethel. Voilà, c'est bon. Bon, après, il faut quand même que tu laisses une troupe à Sigma Draconis. Pourquoi? Oui, j'envoie 2K. J'envoie 2K à Sigma, merde. Je m'en occupe. Comment c'est possible d'avoir autant que des planètes de merde? Donc, du coup, oui. Tethel, toi, Soleil, et on remonte ensemble après. C'est ça. Il va falloir que je te rejoigne à Soleil dès que je peux pour défendre en groupé avec toi le plus possible. C'est ça. Ouais. Et on va espérer qu'il s'occupe un peu de nos alliés et tout. Ouais, bah c'est comment le but des vassaux. Comment ça les autres alliés. Ceux qu'on n'aime pas. Parce que moi tu m'aimes. Parce que si tu m'aimes, tu dis je t'aime. C'est un peu exagéré de dire des choses comme ça. Allez, lance ta guerre. Et puis compte pas sur mes alliages. Mais non, j'ai parlé de mes vaisseaux.
Allez, j'ai lancé. Les questions sont modifiées dans 3 mois. T'es bon, t'es prêt, Ah, moi je suis prêt. Non, ouais, bah, mais tous les ordres sont donnés. Moi j'étais nickel depuis le début. Par contre, j'ai pas reçu tes 10k de minéraux ou je les ai déjà dépensés? Tu les as dépensés. Alors, il envoie 126k où à Osmadim, ça va, c'est à côté. Comment ça part vite? Il prend tous les systèmes voisins. Je peux te filer encore un petit ch'touille. Il descend plein sud. Contre des des alliages, bien entendu. Ouais, j'ai pas d'alliage. Ce qui me complique la tâche pour t'en envoyer. Intéressant. Et ma troupe d'invasion, du coup, arrive bientôt à Sigma Draconis. Très bien. Tiens, 10 000 de minéraux. Contre 3 000 alliages. 1000 ? 3 000. 10 000. Comment tu savais que j'avais exactement... Ah, t'as regardé. Ah oui, t'avais vu. Trisset, combien j'ai ? Je lui dis, j'en ai pas. Il me dit, si, je les vois dans l'échange. Non, merde, en fait, on sait pas, mais j'ai mis jusqu'à temps que ton personnage dit non, j'en veux pas. Je veux pas. Et ça ouais, bah, il m'a pris 80%. C'était au pif. Alors, je fais encore 21 cristaux rares de trop. C'est très bien. Le pire allié du monde. À quoi que je sois. Non, ça se passe bien là. Au niveau bouffe, je suis équilibré parce que je revends 1000. Les biens de consommation, je pourrais en faire moins. Il faut que j'augmente mon usine de biens de consommation. Déjà, on va la renommer avec la nouvelle norme. Parce que pour ceux qui... Ça sera diffusé dans longtemps, mais j'ai fait une semaine de training et du coup, j'ai fait une cinquantaine de parties. J'ai une norme maintenant pour mes planètes. Voilà, elles sont nommées avec une norme. Voilà, je fais un petit C du copyright pour les biens de consommation. Ah oui, oui. Pour la raffinerie, c'est le petit R du je sais pas quoi. En rond aussi. Ouais, je vois. Ça ressemble toujours à rien, cette planète. Bon, j'ai plus de minéraux. Species enhanced. Faut que je trouve. On va prendre l'ascenseur, on redescend sur les flottes. On fait pas le kéké. J'ai bien des planètes qui peuvent se transformer en planètes minières quand même. Je suis pas trop loin de Tétel, heureusement. Et il a envoyé toutes ses flottes au sud, donc c'est la bonne nouvelle. Deploying pacification troops. Alors, hostile planet pacified. Voilà, Sigma Draconis, ça tombe tout seul. Le premier effet. À la limite, je diviserais bien en deux. Allez, j'ai mis deux les troupes. Deploying pacification troops. Hostile planet pacified. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. GG. C'est bon pour le premier. Et voilà, c'est suivant. Ouh, ça c'est joli ça. On a tout libéré, hein. Non, mais de toute façon, il a disparu, donc vous inquiétez pas. Ouais, ouais. Direction Tétel aussi. Alors. J'attends complete. De voir vos premières batailles, moi. J'ai encore quelques sauts. Hein. Alors, il faut pas qu'on soit de moins de 150k. Construction complete. Ouais, vous aurez le droit de faire une petite pause pour les édits, tout ça. Ça y est. Oui, bien sûr. S'il te manque des alliages... En tout cas, moi, mon paquet de flotte, là, que j'ai, ils sont tous au même endroit. Il est largement assez grand. La flotte qui arrive à Soleil, largement assez puissante pour battre une de ces flottes. Au niveau Edith, la rigolade, hein. Ouais. Est-ce que je les prends maintenant? Parce qu'en fait, les vassaux que j'ai pas encore fait me donnaient énormément de particules de gaz, tout ça. Alors moi, je vais prendre Ambition, Révolution Scientifique, Vitesse de Recherche, plus 20%, Alternative, plus 1. Attends, moi j'ai une meilleure idée, je vais prendre Ambition, tuer le... tuer l'Empire Déchu, peut-être. Est-ce qu'on peut faire ça dans les atouts? Et comme j'aime bien l'influence, je vais prendre Ambition, Volonté de Puissance, Influence, plus 5 par mois. Mince, il me manque des choses. Ambition, acquisition générale, plus 33% de minéraux par mois. Voilà, 3 ambitions, ça fait du bien. Est-ce que vous avez beaucoup de particules, genre 1300? Des particules, j'achète des particules. Ouais. Donc je peux pas t'aider à part t'envoyer de quoi les acheter. Non mais je regarde comment... Il me reste 17k. Quoi?
il me reste 17k d'énergie. Ah oui, c'est cher. Ah, d'énergie, oui. Particules, ouais. Je peux t'envoyer, t'en veux. Bah, il me manquerait 1300, sauf si je priorise 1. Donne-moi des alliages. Explosif ou arme cinétique. J'aurais dit cinétique, hein, au moins 580. Non, mais je peux pas te les. Enfin, je donne tout ça pour moi, je suis emmerdé. Je sais, je suis pareil, c'est la dèche. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je suis en positif partout là avec mes ambitions. Les alliages. 300 de gaz et de la particule, c'est tout. Que je sais chiner. Le problème, c'est que j'ai pas de stock. Ouais. J'ai que des alliages. Tu peux m'envoyer une demande d'alliage, Féa. Mais avec quoi je vais payer tes particules? J'ai deux cassettes de biens de consommation que je peux t'envoyer Tu veux. Je peux lui donner deux cas de particules. Non. Ne vend pas les biens de consommation. Ouais, ouais. Ah bah donne-lui les particules. Mais je peux pas lui tout lui donner, je peux lui donner que 2K. Oh la vache. Mais il veut pas. Il veut 4K. Il veut 4 particules. Oui. Non, je veux 640. Je vais faire un des deux. Bah, je t'en envoie 1000 alors. C'est trop, je te donne le reste après. Alors. Non, c'est bon. Je les ai. Non, parce que tout à l'heure tu m'as dit 4K, alors oui, forcément 4K, c'est grâce à toi. Là je t'en donne 1000, c'est pas pareil. En termes de volume. Okay. Mais je me sens bon. Et ce qui me reste du coup, particules, bah, c'est réglé. Et gaz exotique 679, j'en ai combien? J'en ai. Il me manque 280. Peut-être y arriver. Hein. Tant mieux. Ouais, c'est bon. Si je fais pas le con, j'ai plus que 6,5K d'énergie, mais ça devrait aller. Moi, j'ai quasiment supprimé la piraterie partout maintenant. Grâce au fait d'avoir fait des stations en fait partout. Par contre, bien de consommation, je vais être dans la mouise dans. Pas longtemps. 4-5 mois. Tu vas perdre des troupes d'invasion, mince. Où ça? Araya, pas grand chose. Mais des troupes? C'est vous, Araya? Bon, la pacification se passe bien de toute façon. Où tu vois un truc qui s'appelle Raya, c'est où? C'est près de chez l'Empire déchu. Troupe d'invasion. Le territoire outre Kafraïen. Ça y est, c'est mort. Ah, c'est peut-être que c'est... Non, mais ça doit aller lié alors. Ah oui, d'accord, oui. Bon, comment me faire de l'énergie? Je perds en bouffe, ça c'est pas grave. Mais bien de consommation, c'est un problème. Alors. Pour le fun, j'ai pris Prétendant Galactique, plus 33% de dégâts contre les Empires déchus. Merci, Slan. T'as bien fait. De rien. Ouais, je me dis que là, en fin de partie. Je respire 11 mois là. On s'en moque un peu. 11 mois. C'est pas beaucoup. Non. Non, je vis un enfer tant qu'on fait pas la paire. Mais c'est ce que je t'ai envoyé, c'est exactement la production que. Le surplus que j'ai en 11 mois. Mais attention, hein, dans 6 ans, je change ma politique, ce surplus va disparaître. Les flottes qui sont prêtes, est-ce qu'on refit vraiment? Est-ce qu'il y a besoin de refit? J'ai 20K, donc si tu veux refit. Moi, j'ai des nouveaux missiles qui sont apparus. Le canon Gauss, boucle 50%. J'ai 2K de refit, moi. Ah putain, le canon Gauss, l'autocanon Stormfire est pas mal, hein, par rapport au canon Gauss. Ah oui, les autocanons, quand tu les augmentes, ils sont mieux en mieux. Très bien, les. Tire 3, j'en mets un sur les corvettes. Ok. Petit détail sur le destroyer. C'est très bien, mais c'est dommage que ce soit limité aussi autant. Que ce soit que les petites. Ouais. Franchement, il est. Il est faible face au blindage, on est full blindage. Le pauvre, il va avoir mal. On est totalement on va l'exploser. Ah oui, non, d'accord, ouais, j'arrive. Le pauvre. Et surtout, je tiens à dire que celui qui va prendre ses planètes va se mettre économiquement parfaitement. Donc, ça va être plus que parfait puisque je suis déjà parfait. Ça sera pas forcément toi. Hein. Ah, peut-être. C'est moi qui ai les revendications. C'est vrai que pour qu'il y aille, Tech, il va falloir qu'il fasse le tour du centre de la galaxie. Je ne vais pas en mourir. Non, il y a un léger refit, c'est tout.
sur les corvettes pour voir un peu l'autocadence que ça peut faire. Ouais, vas-y, fais-le. Combien? 52 d'alliage. Oh, tu parles. Et quand tu fais un refit chez moi, en fait, ça considère comme une ponction négative. Où j'ai les trucs en... Pourquoi ce mode agricole, il est pas bon? Il est pas bon. Par contre, j'ai une flotte qui rame. Tu envoies tout le monde à soleil, hein, c'est ça? Mes flottes, ouais, j'envoie pratiquement 180k à soleil. Après, du coup, c'est suffisamment pour tuer une de ces flottes. Surtout que j'ai prétendant galactique, donc je fais 33% de dégâts de plus, ça ira bien. Et puis qu'il est... ses armes et tout ça sont pas efficaces contre moi. Ensuite, je vais... Et quand je renforce, ça prend l'alliage chez moi, c'est parfait. Ah bon? Ça serait dommage de laisser l'annexe Continuity vivre si le plus fort des deux empires est aussi faible. Ah non, il va tomber, je vois pas l'intérêt. Upgraded. C'est surtout par violence. Rapport aux ressources que ça pourrait proposer à Tech de ce côté-là. Ah oui, bah alors on lui donnera à Tech, oui, il n'y a pas de souci. Je pense qu'après, ouais, voilà, il y a vraiment de quoi se mettre bien. On fera une des trans... L'orgie finale. Bon, j'ai une flotte qui va à soleil, qui est bien. 45k qui arrive à soleil. Et celle qui est descendue à Raya fait 107. Ah bah si, ça le fait. Et je vois la deuxième et la troisième. Ah, il est... Jambes fermes, parfait. Par contre, faut pas que je m'endorme. Non, c'est bon, c'est une draconiste, tout est fait. D'accord. Oui, tu l'as déjà fait, ouais. Tout à l'heure, tu en as gagné la guerre, donc, t'as eu le manque de la transe. C'est normal que t'aies une flotte de 60k qui s'endorme d'ailleurs, à côté Sigma Draconis. Oui, elle s'endort parce que. Elle a pas bougé apparemment. 60k. Oui, mais c'est rien. Normalement, elle devait aller à Tethel, je sais pas pourquoi elle a pas bougé. Et le lag peut-être. Bah oui. Parce que je vais donner l'ordre. Alors, on en est où là? Méga structure dans 119 jours. Ça sera quoi? Un étage de truc de scientifique. Et dans 442, j'ai la coque de mon centre de coordination. Tu vas débloquer un Ophel encore? Je sais pas. Non, bah non, on n'est pas en Iron Man. On n'est pas en Iron Man. Et on est en multi. C'est vrai? Ah bah, il n'y a pas d'achievement en multi. C'est trop facile, c'est sinon tu fais tes achievements sur les pattes. C'est dommage. Ah, et donc en multi, on pourrait mettre des mods. Bah, Stellaris avec des mods. Pas beaucoup alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Un monde minier. Bon. Mais tu l'as les. T'en as combien les détails de porte-L, toi, Clan? Ah, oh bah, j'ai régulièrement la techno, hein. Ça me prend 6 mois pour avoir un détail, donc vous me dites quand vous les voulez. Hein. Ah, bah, écoute, est-ce qu'il a des porte-L chez lui, le Capitaine? Mais ça ne sert à rien, hein. Je précise que ça sert à rien, c'est juste pour s'emmerder. Bah, non, les porte-L, c'est pour aller. Plus vite encore pour nous. Les nanites, mais ça rapporte rien, les nanites. Mais non, pas les nanites, mais le fait de pouvoir. Il a une porte-L. Fabriquer des porte-L pour pouvoir se déplacer. Ouais, il a deux porte-L proches de mon front. Pour pouvoir se déplacer, je rappelle que les porte-L ne servent qu'à aller dans la galaxie de la porte-L et ensuite à revenir. Tu fais deux bonds, quoi. T'as une technologie pour fabriquer des propres portails pour toi? Des portails, pas des porte-L. Oui, les portails, ouais. C'est les portails que je voulais parler. D'accord. Alors, au passage, messieurs, les portails, j'ai pas la techno. Construction complete. Je pense pas que je dise de bêtises, mais je pense surtout qu'on va faire une pause. C'est pas ça Quasiment, ouais. Ouais, quasiment. Dans une minute. Ouais, donc on peut la faire maintenant. Hein. On va la faire maintenant. Prochain épisode, le Shard Satori. On verra ça. Merci à Fer, merci à Stan. On va continuer nos papotages. On se retrouve au prochain épisode. Bye à plus. Tout.